musicale, chante Jacques Rémy. Comme invité du plateau, l'auteur Fabienne Bouca, l'organisatrice du projet, accompagnée d'une élève japonaise et d'une élève réunionnaise. Tout de suite, on reçoit nos invités. Madame Bouca, pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet? Alors, d'abord, je tiens à remercier la classe Tatiana Jean pour avoir mis dans le grand concert du groupe. Il était question de faire découvrir la culture japonaise aux élèves et aux membres à travers mon voyage au Japon. Et surtout, leur montrer qu'on est invité à reçu tout ce projet. Et ils ont pu rencontrer des élèves, puisque les élèves de Japonais sont venus en toujours à la réunion. C'est bien pour cette raison que sur le plateau, nous avons Léa Yamaguchi et Elisa Huel. Pour dire quelques mots de leurs impressions de cette rencontre. On est très contents d'être à la Réunion. En plus, on a été très bien accueillis et j'ai pu rencontrer ma correspondante Elisa. On a pu sortir ensemble et j'ai pu apprendre plusieurs choses sur nous. C'était très bien. Oui, c'était très drôle. On s'est beaucoup amusés. Ce soir d'ailleurs est notre dernière soirée ensemble. On se réunira autour d'un repas Réunion Japon. C'est super que vous vous êtes amusés. Tout de suite, passons au reportage de Madame Bouca. Ce qui est étonnant au Japon, c'est l'attraction des clients. C'est fou comment les Japonais usent des moyens colossaux pour attirer leurs clients. Wow. Regardez cet avion, un avion de 4 mètres sur 3,50 mètres. J'ai déjà pu m'anniverser aussi. Oui, c'est pour mon anniversaire. C'était bien? Ouais, chouette. Non, mais c'est bon. Voilà un exemple de restaurant. La cuisinière cuisine un plat régional. Okonomiyaki. Vous savez, au Japon, on cuisine directement devant les clients. Donc, le plat est composé avec une base d'œufs, de choux mélangés de la viande et de crustacés. Le tout recouvert d'une sorte de crêpe. Et on mange directement sur la plaque chauffante. Il faut faire attention, c'est brûlant. Ils ne sont pas seulement des amoureux de la cuisine. Ils adorent les animaux. Surtout, ils font fou des chiens. Et en plus, ils habillent leurs chiens. Il n'y a pas que les chiens qui sont à la mode, les Japonais aussi. J'en ai vu des costumes de toutes les couleurs, rose, à fleurs, jaune, vert, etc. Et ils se promenaient de la sorte dans la rue. Et n'en parlons pas des mariages, les photos étaient prises dans la rue. La mariée pouvait pas arrêter pendant des heures pour avoir un taxi et prendre le risque de rater son mariage. Je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'au Japon, on ne s'habille pas toujours de manière traditionnelle. Oui, au contraire, on s'habille normalement comme vous. On est des fashion victimes. On adore la mode. Surtout ça. Ça et ça. Là, j'ai fait un effort traditionnel. Mais je pense m'habiller comme ça qu'une fois par an pour les fêtes traditionnelles. Ah ouais? Quelle fête? Genre, vous avez une fête, vous? Oui, la fête des poupées Inamatsuri. La fête se passe au printemps où l'on mange autour d'un repas traditionnel en famille et on prie pour la santé et le bonheur des petites filles. Oui, en plus elles sont habillées avec leur plus beau kimono fleuri avec des fleurs dans les cheveux. Oui, et elles sont trop contentes parce qu'elles peuvent manger ce qu'elles veulent. C'est leur fête. Et en plus, c'est super difficile à porter si on doit le mettre tous les jours. C'est épuisant. Mais nous aussi on a notre fête. La fête CAF. Et nous aussi on a nos costumes. Oui, c'est le 20 décembre. C'est la célébration de l'abolition de l'esclavage. Allô, Motazad. C'est une fête ancrée dans l'histoire de la Réunion. Elle construit notre identité et fait de nous ce que nous sommes, des rayonnés et des métissés. Nous sommes un mélange de cultures. Ici, il y a de tout. On s'habille avec tout, on mange de tout et surtout, on adore la diversité. Ce jour-là, on fait un super défilé et tout le monde est dehors. C'est un jour férié et spécial. Et là, on danse et on fête nos ancêtres. Oh, c'est bon là. Nous, les Japonais, on n'a pas besoin de fêter ce genre d'horreur pour savoir qui nous sommes. La danse suffit à définir notre identité. Je vais vous montrer. Lance le spectacle. Ah ouais.
Que tout le monde connaît. Ouais. Je m'occupe de la musique. Watch me.